Capitaine, approchez. Voilà.
Approchez, capitaine. Retournez les enceintes pour que ça n'aura plus de... Et non, mademoiselle Baron. Plus le coup était grand, plus l'or était riche. Voilà, je m'enrichis. Sur votre côté gauche, vous allez apercevoir les petites femelles les plus belles. Alors, qui n'avait pas nous les manger parce qu'on est ça. Je disais donc les petites femelles les plus belles. Ah, non, attends, mais ils vont. C'est à qui ça? À qui? Ah, bah, il va nous bouffer, il va nous bouffer les rangs. Hein. Non, non, on va ramasser le chien. Ah, bah oui, je sais bien que vous pouvez pas être partout, mais quand même. C'est pourtant pas un ratier, ça. Bah donc, voici les petites femelles. Parmi elles, il y en a qui ont 7-8 mois, 1 an. Il faut savoir que le rat, en captivité, comme nous les avons, nous, eh bien, les animaux vivent environ 2 ans. Ce qui est peu, puisqu'un rat commence à travailler à partir d'un an, il travaille pendant 6 mois, ensuite il est en retraite. Donc il faut sans arrêt que Dame Sylvie et moi-même nous fassions des petits rats. Bon, papa. Pour pouvoir les redresser ensuite. Enfin, c'est toute une histoire, c'est du manuel, enfin c'est très compliqué. Sur votre côté droit, voici les plus gros, voici les plus beaux, voici les... On pose le rat sur le rouleau. Et on lui apprend qu'il faut qu'il grimpe, qu'il grimpe, qu'il grimpe pour travailler, pour faire du spectacle, pour gagner des sous, pour acheter du gruyère, pour manger à la maison. Que bien sûr, on va applaudir parce que ça, on ne voit pas ça chaque fois. Bien souvent, c'est plutôt du genre justement d'échelle parce que c'est pour te faire plaisir. Oui, c'est pour des tics quand même, non? Vous savez ce que c'est que ça? Bilboquet. Ah, vous n'avez rien gagné encore, hein? Rien à gagner à ce coup-ci-là. C'est un bilboquet, effectivement. Et vous savez comment que ça marche? Oui. Il y a un petit machin avec un petit trou, il faut mettre le petit machin dans le petit trou. C'est ça? Bon. Alors, écoutez bien. La première de vous deux, parce que vous risquez de gagner un beau cadeau quand même. Mais tu es déjà là à la première tournée. Escapé des croisades, porteur de la peste et du sida, qui va tenter de traverser. Pas que ça bouge, madame, là-bas. Faut arrêter de trembler. On ne tremble plus. Oh là là, moi je lâche tout. Tu lui plaisais beaucoup quand même, hein. Voilà, ça y est, le v'là.
Ah, la petite brunette, là. Et comment votre prénom, déjà? Comment votre prénom? Ah, Françoise, viens voir Françoise. Il veut pas y aller. Il va tomber. Quelques applaudissements pour notre vieil Arthur. Alors sachez que non, c'est une expérience très difficile, mais si dans votre cave, dans votre grenier, vous avez un quelconque fil à linge ou autre chose de ce genre, et bien voilà ce qu'un rat est capable de faire. Enfin, c'est très difficile, je vous le dis quand même. On applaudit. Voyons là-dessus, non ? Bon, vous passez là, parce que moi j'ai froid. Hein, tout de suite. Bon, allez, oh, oh, oh. C'est quoi, c'est quoi, c'est quoi ? On est en Bretagne.